Harry et Meghan provocateurs, pourquoi leur récent voyage en Jamaïque fait scandale? Le voyage de Harry et Meghan en Jamaïque fait jaser. Les Sussex sont une nouvelle fois dans le collimateur des tabloïds anglais. Un voyage qui fait scandale. Meghan Markle et le prince Harry se sont rendus en Jamaïque à l'occasion de l'avant-première du biopic consacré à Bob Marley, baptisé One Love, le 23 janvier dernier. Et les tabloïds anglais ont été très durs avec les Sussex. La raison? Les experts royaux estiment que le couple a fait preuve d'une grande insensibilité en faisant une apparition publique alors que Charles III et Kate Middleton sont en ce moment hospitalisés. Autre point qui leur est reproché, les Sussex se sont affichés tout sourire aux côtés du premier ministre jamaïcain, qui avait reçu le prince William et Kate Middleton un an auparavant. Des manifestations avaient éclaté dans le pays. Les Jamaïcains dénonçaient cette visite, mettant en avant l'époque coloniale du Royaume-Uni. Ainsi, les critiques ont fusé dans la presse britannique. Le Sun a notamment estimé que Meghan Markle et le prince Harry avaient un besoin désespéré d'être vus et que ce voyage en Jamaïque était un message clair avant l'opération du roi Charles. Si est-ce un comportement maladroit et très provocateur. Il ne semble plus se soucier de ce qu'ils disent ou font, assure Ingrid Sword, auteur d'ouvrages royaux, auprès du tabloïd. Pour d'autres experts, cela envoie comme message qu'ils soutiennent un pays qui essaie de se débarrasser du roi. Les Sussex ont clairement choisi ce moment difficile pour rappeler à la famille royale ce qu'elle a perdu. Un voyage qui fait beaucoup de remous. Ce voyage fait donc polémique. Si est-ce faire passer le message qu'ils soutiennent ce pays alors qu'ils n'ont pas trouvé le temps de manifester publiquement leur soutien au roi et à la princesse de Galles, indique le chroniqueur royal Phil Dampier. Le premier ministre jamaïcain avait déclaré en 2022 que son pays allait de l'avant et avait l'intention d'atteindre rapidement ses objectifs de développement et de réaliser ses véritables ambitions en tant que pays indépendant, développé et prospère.